Michel Larocque va connaître un nouveau rôle. Ici, on ne parle pas de cinéma, mais plutôt de sa vie familiale. En couple avec François Baroin, la comédienne de 62 ans sera prochainement grand-mère. L'annonce a été officialisée par sa belle-fille, Constance Baroin, l'une des trois enfants du maire de Troyes. La jeune femme de 30 ans a dévoilé son ventre arrondi sur Instagram, ce mardi 7 mars. Mais dès juillet 2022, Michel Larocque s'était projeté en future grand-mère. Je serais bien embêtée si j'avais des petits-enfants maintenant, avait-elle indiqué au journal Le Parisien. La raison ? Un emploi du temps trop chargé pour la fidèle de la troupe des Enfoirés. Je travaille tellement que je ne pourrais pas tenir mon job de grand-mère, avait-elle fait part à nos confrères. C'était au moment de la sortie du second volet du film Joyeuse retraite, dans lequel Michel Larocque interprète le personnage de Marie-Lou. Cette dernière colle parfaitement à l'image de ses grands-parents qui deviennent très souvent des babysitters pour aider les enfants. Une situation qui a rappelé à Michel Larocque, celle vécue au début de sa carrière, à mon âge, ma mère, qui était professeure à la fac, m'aidait pendant les vacances et venait sur les tournages pour garder ma fille. Michel Larocque, découvrez son évolution physique. Michel Larocque, très proche de sa fille Oriane avec la naissance à venir de l'enfant de Constance Baroin, Michel Larocque deviendra grand-mère pour la première fois. Sa fille, Oriane, qu'elle a eue avec son ex-mari, Dominique Deschamps, ne lui a pas encore offert cette joie. Très complices dans la vraie vie, la mère et la fille l'ont été également professionnellement. Ensemble, elles ont joué dans plusieurs films, tels que Comme taille est belle, Brillantissime et Chacun chez soi. Mais, désormais Oriane Deschamps a décidé de voler de ses propres ailes, d'après Michel Larocque, dans Femme actuelle, en juillet 2022. Reste que sa mère sera toujours là pour lui apporter son soutien et de précieux conseils. Crédit photo, Véan.